Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui avec notre nouveau kit mensuel et je vous ai écouté hein, puisque j'ai lu un petit peu vos commentaires et vous étiez assez enthousiaste pour obtenir un kit avec cette collection Jardin Pivoine. Donc cette collection, vous la retrouvez à partir de la page 82 du catalogue annuel. Je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois hein, cette collection. J'ai eu un véritable coup de cœur d'abord pour les papiers à motifs dans lesquels on va retrouver du pétale rose, gris granit et gris souris. On va dire mes couleurs, parmi mes couleurs préférées, voilà, de prédilection. Et puis au fur et à mesure, hein, j'ai fini par aimer aussi bien les tampons et les découpes. Bon, ceux-ci ne font pas partie du kit mensuel, vous pouvez néanmoins les acheter à côté ou les commander auprès de moi et je vous les ferai parvenir en même temps que votre kit. Donc le kit ce mois-ci, voilà de quoi il se compose. Je vais vous présenter les papiers à motifs tout d'abord. Donc ce sont des feuilles à motifs qui mesurent 30,5 cm par 30,5 cm. Et donc vous aurez 6 feuilles, hein, une de chacun des motifs. Donc on va retrouver beaucoup de fleurs, bien évidemment, des pivoines. Mais ce que je trouve pas mal, c'est qu'il n'y a pas de mélange de couleurs. Ce qui fait que le papier, il reste quand même facile à utiliser et à recaser. Donc ici, on va voir ces pivoines en ton sur ton. Là, on va voir les petits bourgeons, les petites boules. Un gris granit. On va avoir ici une grande feuille, donc je ne sais pas si vous voyez bien. Il y a des petits points, bon voilà, ça reste aussi du ton sur ton, un petit dégradé. On a ici de jolies rayures que j'aime beaucoup, qui pourraient être utilisées avec une carte beaucoup plus masculine. De nouvelles pivoines, maintenant en blanc avec des motifs pétales roses. C'était l'inverse de la première page. Ici, on a de très jolies fleurs qui pourraient être coloriées, ma foi. Et donc, au dos, c'est pareil, on a aussi des motifs un petit peu passe-partout. Là, j'appelle ça, moi c'est un effet marbre. Là, on avait la même initialement en pétales roses. Des jolis cercles. Je ne sais pas si vous les voyez bien. À nouveau des petits triangles, des petits chevrons. Et enfin deux autres styles de fleurs pivoine hein, en blanc et avec un fond gris. Coordonnées donc à ces feuilles de papier à motifs. Je mettrai dans vos kits donc 6 feuilles de papier A4 murmure blanc afin d'avoir vos bases de cartes pour vos différentes créations. Et donc vous aurez deux feuilles de papier A4, hop, pétale rose, deux feuilles ardoise bourgeoise et deux feuilles gris granit. Donc vous voyez tout ça hein, coordonné au papier à motif. Tout va ensemble. Pour compléter la collection, je vous ai mis 12 petits napperons comme ça. Donc ils sont carrés, c'est des napperons en vélin. Vous pourrez très bien les couper en deux, notamment, pour les mettre sur vos fonds de cartes. Donc vous en aurez 12. Ils finiront très bien vos créations, hein. Je ne sais pas si vous allez bien voir dans le catalogue ici. Cette carte-ci, elle est présentée avec un petit morceau de papier vélin en bas. Vous aurez également 3 mètres de ce ruban. Donc c'est un ruban gris granit qui pourra très bien hein, se coordonner avec vos créations. Donc c'est un ruban miroitant, je ne sais pas si vous voyez, mais il est un petit peu satiné en fait, il brille. Et enfin,
ici. Hop, vous les verrez mieux par là. Je vous ai mis ces gemmes à facettes élégantes. Et donc, vous aurez 5 gemmes à facettes de chacune des 3 couleurs. Et donc, dans les 2 tailles différentes. Vous avez vu que vous en avez 2 à chaque fois par 2 en blanc. On a du pétale rose et on a ensuite des transparentes. Voilà. Donc, vous en aurez 10 de chaque, donc 30. Ce kit, je vous propose au prix de 20,50 € hors frais de port ou 25,50 € frais de port compris par Mondial Relais. Si jamais vous souhaitez compléter votre commande, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à mimalonfait@gmail.com ou à laisser un petit commentaire à la suite de cette vidéo. Je recalculerai au plus juste le montant de votre commande. Voilà. Sachez qu'en achetant le kit, vous cagnotez aussi vos points sur ma carte de fidélité. J'espère donc que ce kit vous plaît, en tout cas vous me l'avez demandé. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Ciao ciao !